Yo la famille, bienvenue sur la chaîne Programmer Facile. Alors aujourd'hui on est là pour un nouveau tuto sur comment craquer n'importe quel jeu Android sur son téléphone. Alors ça passe pour tous les jeux et applications où tu dois payer, passer par des procédures de paiement. Alors tu as déjà sûrement entendu parler de Lucky Voucher, mais tu ne sais pas comment on utilise. On va montrer tout ça dans la vidéo. Alors avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On revient juste après ça. Ok, on est de retour. Alors pour ce faire, on va aller sur Chrome. Et on va taper Lucky Patcher. APK. Ok, une fois que j'ai fait, vous allez descendre. Descendre, vous allez voir Lucky Patcher. Vous devez aller forcément sur le compte, sur le site officiel de Lucky Patcher pour que ça passe. Sinon, les autres sites vont te montrer d'autres qui peuvent contenir des virus. Alors, on va aller sur le site Lucky Patcher. Et voilà, on va télécharger Lucky Patcher. On va demander la version. Je prends la dernière version. Et voilà, on télécharge. Et on attend que le téléchargement soit fait. N'oubliez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre. Ok, donc elle vient de se télécharger. Donc on va l'installer. Activer stop et on télécharge installer. Donc on va attendre le temps que ça installe. On va appuyer sur plus de détails et on va appuyer sur installer quand même. Alors ne vous inquiétez pas, c'est une vérification Play Store qui dit que l'application ne se trouve pas dans la boutique Play Store. Du coup, elle n'est pas reconnue comme une application en temps réel. Mais cela ne signifie pas que ça va vous envoyer un virus. Je vais vous laisser le lien de téléchargement dans la description. Partez faire un tour. Et aussi, si c'est possible, de faire un petit don à la chaîne. Merci. Ok, donc on va ouvrir. On appuie sur ouvrir. Ils vont nous demander de télécharger la vraie version de Lucky Patcher. Alors on va appuyer sur OK pour accorder. Une seconde. Donc on va appuyer sur autoriser. Et on va appuyer sur la cloche, puis appuyer sur oui. Et ça va préparer l'installation de Lucky Patcher lui-même. Parce que ceci est un intermédiaire qui va connecter Lucky Patcher à ton téléphone. Et ses paramètres, accepte, on sort, installer, et maintenant on va appuyer sur ouvrir. Voilà. On va appuyer sur entrer et on attend un peu. Alors, ils vont te demander de désinstaller l'application que tu as installée parce que c'est pas la même. L'autre t'a permis de télécharger Lucky Patcher M. On va appuyer sur OK. Et ça va désinstaller Lucky Patcher. On va appuyer sur ne plus afficher. Et on patiente un peu. Je tiens à vous rappeler que le canal Telegram pour rejoindre mon groupe Programmer Facile se trouve aussi dans la description. Faites faire un tour. Voilà comment se présente la plateforme Lucky Patcher. Alors on va essayer de craquer un jeu.
dans ce moment. On va essayer de craquer 4 matchs. Un mot. On va appuyer sur menu des patchs. Et ensuite, on va appuyer sur APK reconstruit pour émulateur in-app et FVL. Là maintenant, on va laisser ce qui est coché. On va appuyer sur reconstruire l'application. Alors, n'oubliez pas que pour me soutenir, vous pouvez me faire un petit don sur mon PayPal grâce au lien qui est juste en bas dans la description. Merci. On continue. Donc, ça va reconstruire l'application. Ok. Alors, on est de retour. Alors, on va essayer de craquer 4 matchs, un mot. On va appuyer sur menu des patchs. Et ensuite, on va appuyer sur APK reconstruit pour émulateur in-app et FVL. Là maintenant, on va laisser ce qui est coché. On va appuyer sur reconstruire l'application. Alors, n'oubliez pas que pour me soutenir, vous pouvez me faire un petit don sur mon PayPal grâce au lien qui est juste en bas dans la description. Merci. On continue. Donc, ça va reconstruire l'application. Ok, maintenant, en temps normal, quand une application finit de bâtir, vous allez forcément voir qu'il y a l'un des 5 qui va s'afficher vert. Ce qui veut dire que l'application a bien été bâtie. Donc, pour télécharger l'application qui est bâtie, on va appuyer sur aller au fichier. On va appuyer sur désinstaller et installer. Une fois que c'est fait, on va appuyer sur oui. Ça va désinstaller l'application en question pour réinstaller la version patchée. Vous allez voir, ça a été désinstallé. Ok, une fois que c'est fait, vous allez voir la partie INT qui est devenue vert. Ce qui veut dire que l'application a été patchée. Donc on va cliquer dessus et on va appuyer sur lancer l'application. Donc je vais lancer pour que vous puissiez voir. Et bon, on va appuyer sur le plus, on va appuyer sur un par hasard, on appuie, et vous voyez, on dit acte d'achat in app, on va appuyer sur répéter automatiquement les achats avec les paramètres actuels, on appuie sur oui, et on va attendre. Vous avez vu, j'ai reçu les 25 000 pièces, et on peut recommencer autant de fois qu'on le veut. Ça va fonctionner. Allez, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, dites-nous dans les commentaires et abonnez-vous, likez pour soutenir la chaîne. Si vous pouvez aussi faire un petit don à la chaîne via PayPal, le lien se trouve dans la description. Merci.